Coucou les fourzinotes, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo diamond painting. Mais donc là c'est des diamond painting qui ont été terminés par nous et qui de ce fait je vais vous montrer ce qu'on a déjà fait et en même temps une petite dégustation pour le goûter. J'ai trouvé à Action les bouteilles Bounty. Voilà, donc là pour le niveau de la bouteille, on est à 225 calories pour la bouteille ou 64 calories les 100 gra les 100 millilitres 100 grammes. Voilà. Donc on va déjà goûter ça avant de se mettre en route. Donc là, je vais vous montrer tous les diamond painting qu'on a terminé. Ensuite, en fin de vidéo, vous allez avoir des photos où ils seront sous-titrés de vous dire dans quelle pièce on les a installés. Parce que ça, c'est des diamants qui servent à la décoration de l'intérieur. Voilà. Donc santé les copains. Alors déjà il n'y a rien qui coule. Alors je te parle qu'il y a un truc. Bah ouais, tête de conne, regarde. Mais je te jure, c'est pas possible. C'est pas possible d'être aussi bête. Bon, allez, c'est parti. Bouchon sport. Alors. Ouais, bah alors quand tu commences à avaler, ça te fait bien le goût chocolaté. Et en arrière-plan, là, la noix de coco arrive. C'est pour ça que j'allais dire, c'est bizarre, on sent pas vraiment le goût du Bounty. Mais si, tout se met au fur et à mesure. Ouais, bon, bah ça va quoi. On va dire que c'est pas extraordinaire. Mais ça va, c'est pas dégueu. Voilà. Donc, je vais commencer par te montrer mes diamond painting que j'ai acheté chez Action. Donc, ceux-là, c'est des 32-42. Je vais montrer les petits en premier. Fan des papillons. Voilà. Au premier. Donc, celui-là, il était j'adorais, il était canon. Celui-là, il décorait la véranda pendant l'été. Et c'était génial. Donc, j'essaye de faire les diamants par saison, par fête et tout ça, et franchement bah ça fait au moins on utilise ce qu'on fait et ça décore périodiquement, on change vite de déco. Alors là c'est de chez Action aussi avec des montgolfières, donc une envolée de montgolfières, donc là très coloré, donc je trouve pas mal aussi pour les beaux temps. Donc ça c'était d'une ancienne collection, on les trouve plus. Ensuite, le petit village, bah moi je dis sudiste, hein, parce que chez nous c'est des maisons en briques rouges, rien à voir avec ça. Donc voilà, le petit village sudiste, avec la petite maison, le petit puits, quoi, la petite pompe à eau. Bah, je trouve pas mal, il est très mignon. Ensuite, j'ai fait aussi une rosace, donc là, dans les tons bleus. Et si tu regardes bien, hop, attends, tu as des diamants de forme plutôt ovale. Il y a plusieurs sortes. C'est pas que des diamants ronds comme on fait d'habitude. Ou... Bah moi je préfère les ronds que les carrés, hein, je vous dis franchement. Mais là de ce fait, ouais, t'as des diamants vraiment spéciaux. Un peu plus épais. Et je trouve qu'ils étaient super jolis. Ensuite, celui-là aussi a décoré pendant les beaux temps. Donc ça, c'était les pélicans avec perroquet. Voilà. Aussi de chez Action. Donc tu vois aussi que tu as les diamants de forme spéciale là, dans les fleurs. Donc franchement, je me suis éclatée. Et dans les photos que tu verras tout à l'heure, il y aura un guépard, donc de la même catégorie. Et là, le guépard est dans la chambre du grand, donc de Corentin. Voilà. Et pour terminer les petits de chez Action, pour l'instant, hein, parce qu'il y en a en cours, donc vous en verrez tantôt et puis vous verrez déjà des autres, j'avais fait celui-là, donc le hibou. Celui-là, il a été là pendant l'automne. Donc ça c'était dans le salon. Voilà, les couleurs un peu plus néon. Et franchement, ça faisait super beau. Donc,
Ce que je fais, comme je change assez régulièrement, je mets de la pâte à fixe à l'arrière pour pouvoir l'accrocher et l'enlever sans trouer les murs. Non, mais comment dire? Après, on peut l'encadrer. Comme il y en a un que j'ai pas là, je ne pourrais pas vous montrer qui est chez ma grand-mère. Elle, il est encadré. Donc c'était un de chez Action aussi et c'était un paysage avec des bateaux si je me souviens. Enfin bref, un truc dans le genre. Et le dernier, donc le dernier de chez Action là. Hein, c'est un qui était dans la chambre de Ninon, donc avec des chevaux, parce que madame est fan des chevaux depuis toute petite, et je lui avais trouvé ça à Action, et c'était franchement, ils sont pas chers ceux d'Action, ils sont très beaux, donc celui-là par contre c'est un 42-62 la taille, voilà, donc voilà pour ceux d'Action. Ensuite, j'en ai un qui décore la cuisine, alors... Celui-là, vous avez dû déjà le voir dans des vidéos. Donc, j'aime ce qui est vintage. Et donc, là, c'est en fait un tableau ardoise Vileda, où j'ai coloré les contours de la même teinte que le diamant. Je lui ai refait un contour intérieur en laissant du blanc autour. Et puis voilà, ma nouvelle. Comment dire? Nouvelle utilisation de ce tableau, sinon il aurait fini à la poubelle parce que plus moyen de le nettoyer correctement. J'en ai acheté un nouveau. Donc, et ben voilà, on recycle. Donc, je vais déjà débarrasser ça. Ensuite, il y en a encore un grand. Bon, par contre, là, il va falloir, parce qu'il a traîné pendant un temps dans un carton. Et donc, va falloir retrouver les bonnes perles à réinsérer parce qu'il en manque quelques-unes. C'est The Last of Us pour celui qui connaît la série sur Prime Video en ce moment. Donc voilà, Ellie. Ah, si, on voit bien, nickel. Alors, voilà la Ellie avec son arme dans les bois. Son sniper. Voilà. Donc celui-là, il vient d'Amazon, si je ne me trompe pas. Donc ça, il va être fait. Et comme Ninon est repartie à fond dans la série, parce qu'elle a fait les jeux, elle, avant. Et là, elle est repartie à fond dans la série avec son papa. Bon, moi, j'avoue, je regarde, mais c'est pas trop mon style. Après, je trouve ça pas mal. Franchement, malgré que c'est pas mon style, elle est bien faite. Et donc bah, elle va réaccrocher ça, mais il faut qu'on lui retrouve les petites perles qui manquent à droite à gauche. Parce qu'en fin de compte, elle avait mis ça près de son lit, là, en dessous. Parce que dans la chambre des enfants, ça fait un lit superposé. Et en fin de compte, à force bah, de donner des coups dedans, bah, il y a quelques perles qui ont sauté. Par contre, j'ai vu sur Amazon il y a peu de temps, je sais pas si vous faites des diamond painting, si ça peut vous aider aussi, vous voyez la colle pour coller les puzzles. Il faut la même sorte de colle et vous pouvez en coller vos diamants après. Comme ça, en fin de compte, vos perles, elles restent bien. Si vous ne mettez pas sous verre, elles restent nickel. Donc voilà. Et là, donc, on a des plus petits qui viennent aussi d'Amazon. Donc celui-là, Monsieur Jack. Donc c'était pour Halloween. On avait mis ça. Et Thibaut qui avait mis ça près de son lit aussi pendant un temps, parce que lui adore Monsieur Jack à chaque fois que c'est Halloween, on se regarde le film, c'est son film fétiche d'Halloween, on va dire. Et donc, et ben, on l'avait mis Halloween et il a récupéré après pour le mettre dans sa chambre pendant un bon moment. Mais maintenant, accro à Poppy Playtime, comme je lui avais fait pour son anniversaire, tous des affiches Poppy Playtime, tout ça, j'avais plastifié, il s'est fait un nouveau mur, et tout bien installé, ses personnages, donc en attendant, il reste avec nous. Ça pareil, Amazon, vous le connaissez, j'ai pas besoin de vous le nommer, mais bon, je le dis quand même, Spider-Man. Notre cher Spider-Man. Donc, vous voyez, il est nickel. Hein. Il est super beau. Et en plus foncé, par contre, là, on a Iron Man. En bleu. Bleu marine, ouais, on va dire. Bleu marine rouge. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que ces deux-là,
vu qu'on a dépassé les 500 abonnés. Si vous souhaitez en gagner un, vous n'hésitez pas à partager. Donc, je vais regarder si vous avez partagé la vidéo, si vous êtes bien abonné, si vous avez activé la petite cloche et liké le post et puis mis un petit commentaire. Et si c'est ça, je mettrai à gagner ces deux Diamond Painting. Donc, ben voilà, ça, il y aura deux gagnants, quoi. On fera un tirage au sort, certainement sur un short. Et puis voilà, donc là je vais le mettre aussi en short ce soir pour le gain du Diamond Painting. Et puis ben, celui qui a regardé et puis que ça intéresse de participer, et ben n'hésitez pas, vous invitez vos amis et puis allez, c'est parti. Donc là, ben, je vous ai montré tout ce qui n'était pas accroché. Et maintenant, vous allez voir défiler tous des diamants de painting accrochés à la maison. Donc, je vous laisse regarder. Donc voilà, vous avez pu voir tous les petits diamants terminés pour le moment. Il y en a encore en cours. Donc David est en train de terminer Stitch. Nino elle est en train de faire elle un oiseau. Tout plutôt dans le bleu violet tout ça. Ben on vous montrera quand ça sera terminé. Au pire je vous mettrai dans les petits posts. Ensuite moi je suis en train de terminer le chien que vous avez vu dans les shorts et on fait ensemble le comment dire Diamond Painting Oriental ben, en live le lundi ou mardi soir. Voilà. Donc ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Passez une bonne après-midi, une bonne journée, une bonne nuit, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt. Allez, des bisous. Bye bye.